Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette matinale totalement digitale organisée par Citrix avec Les Échos, Le Parisien, événement autour de la transformation digitale, vecteur de croissance et de bien-être au travail. Et oui, c'est un enjeu RH prioritaire, hein, le bien-être au travail, d'autant qu'évidemment, vous le savez, depuis un an, les cartes ont été totalement rebattu, bien sûr, la pandémie qui a forcé de nombreuses entreprises, quelque part, à bouleverser instantanément leur façon de travailler. Et on voit que le télétravail se répand, et à lui seul, évidemment, ça pose beaucoup, beaucoup de questions. Alors dès lors, comment la transformation digitale permet-elle aux entreprises de rebondir sur ce terrain? Comment transformer les pratiques et l'organisation du travail afin de donner aux collaborateurs, eh bien, les moyens d'atteindre la plus grande satisfaction dans leur travail quotidien? Et puis, autre question d'importance, évidemment, quelle technologie choisir dans l'organisation du travail? Parce que c'est important, vous le verrez, elle ne se limite pas à la productivité. Alors, on le verra, et on ne va pas rester uniquement sur des grands principes, des incantations, des promesses. On prendra des exemples avec des réalisations concrètes, des retours d'expérience également. Alors je sais que vous êtes très nombreux à nous suivre pendant cette émission spéciale qui va durer 1h30 donc avec les meilleurs experts, les meilleurs acteurs du dossier que je vais vous présenter évidemment au fur et à mesure, bien sûr. Vous aurez la parole, n'hésitez pas, posez vos questions, puis pour nous suivre et pour réagir, bien sûr, le hashtag TransfoDigital21. Sans plus tarder, pour démarrer cette émission, on a voulu donner la parole à un grand expert, un grand témoin, donc c'est monsieur Gérald Carsenti, le président de SAP, numéro 1 européen des logiciels. Bonjour Gérald Carsenti. Bonjour. On va retirer les masques. Voilà. Le jeu, c'est qu'on est suffisamment à distance. Parfois, on le remettra. Parfois, on le gardera. C'est comme ça. De toute façon, on s'adapte. Hein. C'est comme ça. L'adaptation aussi des conditions de travail. On parle de transformation digitale, Gérald Carsenti. Peut-être, c'est bien de rappeler quelques données, justement, spécialement quand on parle de RH. Oui, en fait, quand on parle de transformation digitale, on ne pense pas forcément spontanément à la RH. Et pourtant, c'est quand même un des éléments qui a été le plus impacté, en l'occurrence, lors de cette pandémie. Alors, il y a des choses intéressantes, parce qu'en matière de transformation digitale, on sait que depuis l'an 2000, la moitié, un peu plus que la moitié, d'ailleurs 52% des entreprises qui étaient dans les Fortune 500 ont disparu. Alors, ont disparu sous une forme ou une autre. Elles ont été absorbées, elles ont été rachetées, elles ont disparu tout simplement parce qu'elles ont déposé le bilan, enfin, peu importe la façon dont elles sont sorties, mais elles sont sorties. C'est vous dire l'impact que l'économie, que les crises, on a connu quand même beaucoup de crises, la crise, l'éclatement de la bulle Internet, puis après la crise des subprimes, la crise de la zone euro, etc. Voilà. Et donc, on s'aperçoit quand même que là-dedans, bah, les entreprises qui ont investi dans le digital ont certainement mieux résisté que d'autres. Et d'ailleurs, il est prévu, enfin c'est ce qu'on prévoit à peu près, à l'horizon de 2022, une dépense dans le digital de l'ordre de 2 trilliards de dollars. Donc on parle de sommes absolument gigantesques. Et donc voilà, il va y avoir beaucoup d'argent, beaucoup de moyens vont être investis pour que les entreprises bah, puissent faire face à n'importe quelle situation, soit tout simplement agile. Et on voit les usages, ils sont considérables, et vous nous avez rappelé des chiffres. Voilà, qu'on n'imagine même pas. Enfin bon, on ne sait pas très bien sur quoi ça repose, bien sûr, on a du mal à quantifier. SAP, par exemple, prenons un exemple. SAP que vous dirigez, vous, Gérald Carsenti, je disais numéro 1 européen des logiciels. Qu'est-ce que vous faites, par exemple, pour accompagner les entreprises? Donnez-moi un ou deux exemples, justement, sur ce terrain des RH. Alors, sur le terrain des RH, nous, en fait, on accompagne les clients en leur permettant d'avoir toutes les solutions de bout en bout sur les solutions RH. Donc, tout en bout en bout, ça veut dire les aider à faire des recrutements de qualité, les aider à gérer leurs talents, parce que les talents, dans ces périodes de transition et de pandémie en particulier, deviennent extrêmement critiques. Il faut être capable de garder ces talents, il faut être capable d'attirer de nouveaux potentiels avec de nouvelles compétences. Donc, on a racheté, il y a quelques années, une solution qui s'appelle SuccessFactor, qui était le start-up du début des années 2000 et qui aujourd'hui est le leader mondial dans le domaine des RH et qui apporte évidemment de nombreuses solutions. Alors, la thématique de cette matinée spéciale qu'a voulu Citrix, c'est la transformation digitale, vecteur de croissance et de bien-être au travail. Gérald Carsenti, est-ce qu'on peut lier les deux? Non seulement on peut, mais il faut.
Parce qu'en fait, dès qu'on veut viser de la croissance et de la performance, on est obligé de se concentrer d'abord sur les équipes. On est en train de comprendre, alors, est-ce que le Covid a généré des réflexions qui ont amené des compréhensions différentes ? Peut-être, mais en tout état de cause, on peut dire une chose est sûre, c'est que depuis la nuit des temps, on sait que le capital humain est le centre de toute chose. C'est le centre, et ça a été le cas à toutes les époques, à tous les moments. Aujourd'hui, plus que jamais. Alors c'est un peu paradoxal parce qu'on est dans un monde de technologie, on investit massivement dans le digital. Et pour autant, eh bien, l'humain reste un élément extrêmement important. Donc, si on investit sur l'humain, à tout point de vue, hein, c'est-à-dire le bien-être, la compétence, la formation, l'environnement qui va bien, etc., eh bien, les collaborateurs sont engagés, on leur donne du sens, parce qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais le sens est essentiel. Et avec tout ça, eh bien, les collaborateurs présentent un visage, le visage qu'on a envie de montrer de l'entreprise, les clients voit bien que l'entreprise est une entreprise qui va bien, qui est en forme, qui a la pêche, et il commande. Et donc la croissance se génère. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être un peu caricatural, mais pas tant que ça. La réalité montre que lorsqu'on s'occupe des femmes et des hommes qui travaillent dans l'entreprise et qu'on leur donne finalement ce qu'il leur faut pour être bien, pour se lever le matin en se disant « j'ai envie d'y aller », eh bien, les clients le voient et ça marche, ça fonctionne. Quand même, on ne peut pas faire abstraction de ce qui se passe depuis un an. On est en mars 21, mars 20, voilà, c'est énorme. C'est le premier anniversaire. Est-ce qu'on peut dire que sur ce terrain, Gérald Kersanti, il y aura eu un avant-Covid et un après-Covid ? Certainement, parce qu'à chaque fois qu'il y a une crise, il y a forcément un avant et un après. Mais rappelez-vous, le subprime, quand Lehman Brothers a déposé le bilan, enfin, il y a eu des choses énormes. On disait, c'est la fin du monde, quoi. Le monde financier est en train de s'écrouler, les entreprises, les banques vont toutes déposer le bilan. Bon, ça a repris de plus belle quelques années après. Exactement. Et là, on voit quoi? On voit, je pense que ce matin, peut-être, en tout cas hier, on était à 7 points de passer la barre des 6000, c'est-à-dire qu'on, 6000 points, c'est qu'on est revenu au niveau du CAC 40, là où on était il y a un an. Exact. Donc ça veut dire que les marchés anticipent que la crise est déjà derrière, ils anticipent surtout que l'économie va repartir. On pourra en discuter. La croissance américaine, voilà. Le plan Biden. Malgré les potentiels risques, l'inflation, la reprise des taux longs, etc. Mais néanmoins, on voit bien que c'est pas qu'on a la mémoire courte, mais c'est la vie économique qui veut ça. La croissance va repartir, il y aura des conséquences, et des conséquences qui pourront être terribles pour certaines entreprises et certains secteurs, c'est la fameuse croissance en K, mais néanmoins, on voit bien que les choses vont bouger. Donc oui, il y aura un avant, un après, mais ça repartira. En tout cas, ça va repartir, ce Covid ou pas, et là on revient sur notre dossier qui nous intéresse, bien sûr, les technologies, on va pouvoir transformer la vie au travail, et j'allais dire continuer à transformer cette vie au travail. Ah bah, il faut. Alors, il faut le faire parce qu'il faut apporter aux collaborateurs de l'expérience. Donc, c'est d'abord le lieu de travail. Le lieu de travail va changer. Alors, il y a les entreprises qui ont vu une opportunité, certainement, parce qu'il y a toujours tout type de réaction, celles qui ont vu l'opportunité de se dire, après tout, on a mis les gens au travail, ça fonctionne, pourquoi pas réduire nos immeubles, etc. Et il y aura des coûts immobiliers qui vont être réduits, j'en suis persuadé, mais on va vite revenir à un point essentiel, la nature humaine. Les hommes ont besoin de se retrouver. Depuis, quand on regarde depuis la naissance de l'espèce humaine jusqu'à aujourd'hui, ce qui a fait la différence entre nous et les autres espèces, c'est pour ça qu'on a survécu, c'est notre capacité à nous retrouver, à être en communauté, à échanger et part. À collaborer. Ah oui. C'est ce qui a fait, enfin c'est pas le seul, mais c'est un des facteurs, on le sait, qui fait que nous sommes là aujourd'hui, comme Homo sapiens, c'est là l'espèce survivante. Eh bien, les hommes sont comme ça. Après cette crise, on aura envie de se retrouver, on aura envie à nouveau de prendre des cafés ensemble, de se retrouver dans une salle de réunion, voilà, parce que c'est la nature humaine. Donc je crois que ce que par contre ça a apporté, même aux entreprises qui n'ont pas en tête de se dire il y a des optimisations à faire, il y en aura de toute façon, des optimisations, il y en a toujours. Mais surtout, les entreprises vont se dire, on peut peut-être marier la technologie avec l'humain, et avoir des modèles plus performants, plus efficaces, plus agiles, où on va pouvoir. Donc du coup, il faut investir dans les locaux, il faut investir dans la formation, il faut investir dans le travail à distance aussi, bien entendu. Il va falloir réinventer des nouvelles façons de travailler. Et ce que vous nous dites, c'est que la techno, elle va quand même changer beaucoup de choses. La façon d'interagir, peut-être de nouveaux liens de management.
nouvelles relations avec les clients nécessairement, ça, ça va continuer. Oui, parce que la techno change tout. Regardez les conférences, par exemple. On s'est dit, oh là, il n'y aura plus de conférences, etc. Mais les conférences en virtuel se sont multipliées. Regardez ce qu'on fait ce matin avec Citrix. Avec Citrix, bien sûr. Exactement. Et je discutais avec des personnes des échos ce matin, et c'est vrai qu'on attire par ces événements bien sûr. Des personnes qui ne se connectaient pas avant. On attire plus de monde, parce que alors que dans un amphi, vous avez un amphi de 150 places, il y a 150 places, là, vous vous retrouver des fois avec 500, 600 personnes connectées, des gens qui vont regarder le replay parce que c'est ça les intéresse. Voilà, ça va donc laisser des traces. On crée autre chose. Autre chose. Là, j'ai parlé que des conférences, mais si vous analysez ça sur la formation et sur tous les domaines où la technologie peut interagir, forcément, la technologie est un fabuleux outil de changement. Mais c'est ça depuis toutes les révolutions industrielles. Bon, n'empêche que le Covid, il est venu percuter les entreprises, un peu les bouleverser. Alors, peut-être pas toujours dans le mauvais sens du terme, Gérald Carcenti. Croissance en cas. C'est-à-dire que je pense, moi j'y crois depuis le début, je pense, et c'est ce qui est en train apparemment de ressortir aujourd'hui. Malheureusement, il y a des secteurs qui vont souffrir vraiment beaucoup. Beaucoup d'entreprises ne survivront pas. Il y aura aussi du chômage, malheureusement, j'espère que je me trompe, mais on voit déjà des plans sociaux qui commencent à sortir. Y compris dans des grandes entreprises, c'est pas que les PME, mais les PME, certaines vont souffrir aussi. Mais inversement, il y a beaucoup de PME, PMI, d'ETI qui ont compris que le digital était clé, qui vont digitaliser beaucoup et qui vont gagner en agilité. Beaucoup de grandes entreprises ont déjà entrepris des grands chantiers et celle-ci, c'est dans le haut du cas et elles vont repartir et peut-être même de plus belle. Je vais être un peu cynique. Est-ce que finalement, cette crise du Covid, elle nous a pas fait gagner 10 ans d'un seul coup, Gérald Carcenti? 10 ans, je ne saurais pas. 10 ans, c'est exagéré quand j'utilise. Mais Fabrice, c'est une durée assez importante, mais voilà. Le point est juste. Je pense qu'on va gagner des années. Mmh. On va gagner des années. Parce qu'on a accéléré la réflexion. Il y a des questions qu'on ne se posait pas, ou en tout cas, pas avec l'acuité d'aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, on a été obligé de le faire. En particulier, dans le monde des PME, PMI, ETI, où nous sommes très présents chez SAP, on observe ça, on discute directement avec les patrons. Tout d'un coup, ils se sont dit, mince, si demain, il y avait autre chose, la cyberattaque, des problèmes de sécurité, parce que demain, on peut avoir d'autres types de crises, comment je fais pour être prêt à réagir en toutes circonstances? Ça oblige à se poser les bonnes questions et à prendre le taureau par les cornes. Et je pense que ça, c'est un des mérites du Covid. N'empêche, bon, il y a une question qui va se poser. On y reviendra tout à l'heure avec les responsables de Citrix, les dirigeants de Citrix, et puis tous les invités qui vont se succéder donc sur ce plateau, ici même dans le studio des Échos. Mais la question qui va se poser, c'est comment préparer donc les collaborateurs, nouvelle génération ou ancienne génération, évidemment, quand je dis ça, je ne désigne personne en particulier, à cette transformation digitale dans le monde des RH, Gérald Carcenti. Déjà, il faut... Moi, j'ai l'habitude de dire le Covid, puisqu'on est quand même encore dans la pandémie. Oui, bien sûr, malheureusement. Le Covid a agi sur la société un peu comme une start-up. Oui, c'est-à-dire que les start-up... Vous n'avez pas me parlé d'ubérisation aussi, un peu? Un peu. Un peu aussi. En fait, les start-up face aux bricks and mortars, les entreprises traditionnelles, sont venues les heurter de plein fouet, bouger les modèles, et beaucoup d'entreprises ont été secouées, voire ont disparu. On parlait de Lehman Brothers, c'était pas uniquement à cause de ça, mais... Bref, le fait déclencheur. Mais finalement, quand on réfléchit, le Covid a agi de la même façon. Je comprends. Il est arrivé... Il a choqué un peu le monde économique et il a secoué des entreprises qui se sont dit, mince, pareil, ça a été le même impact. Donc qu'est-ce qu'il faut dire aux collaborateurs? Il faut leur dire, vous voyez bien que le critère numéro un qui compte, c'est l'agilité. Si l'entreprise doit être agile, vous, en tant que collaborateur, vous devez l'être aussi. Et en fait, en réalité, quand le capital humain qui forme notre compétence et notre savoir-faire, eh bien, il faut l'entretenir parce que c'est comme du capital physique. Si on ne se forme pas, eh bien, il se déprécie. Donc le but, c'est de rester toujours au top niveau, donc il faut former. Merci beaucoup, merci d'être venu introduire cette matinée digitale en tant que grand témoin. Gérald Carcenti, donc le président de SAP, qui est le numéro un européen des logiciels. On va continuer dans un instant, on va poursuivre la réflexion avec d'autres témoins, d'autres experts. Sujet crucial, je vous le disais, la transformation digitale, vecteur de croissance et de bien-être au travail. Vous entendrez des dirigeants de Eramet, de Safran, de Citrix, bien entendu, qui organisent cette matinée passionnante. On verra d'ailleurs d'ici 10 minutes comment transformer
transformer les pratiques et l'organisation au travail. Auparavant, eh bien, je vais accueillir Paul Bailleul, directeur des grands comptes de Citrix France, hein, qui vient nous rejoindre. Allez-y, venez, monsieur Bailleul. On salue Gérald Carsenti. À bientôt, Gérald Carsenti. Paul Bailleul qui nous rejoint. Donc, Paul Bailleul, bonjour. Bonjour, Fabrice. Voilà. On est éloigné, à oui. Vous de voir si vous gardez ou pas le masque, c'est vraiment up to you, comme on dirait. Hein. Voilà, je vais m'exprimer, donc je pense qu'on m'entendra mieux comme ça. Voilà, ça sera mieux également. Bonjour Paul Bailleul. Bonjour. Vous organisez donc cette matinée spéciale oui. Digitale, ici, oui. Avec les, depuis le studio des Échos. Alors, vous avez demandé, c'est très intéressant, j'ai regardé cette étude, vous avez demandé à OnePoll d'interroger début février, donc c'est très récent, des employés de bureau, alors que ce soit en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Suisse également, sur leur situation professionnelle actuelle, hein, la culture d'entreprise, l'impact de la pandémie sur leur bien-être, hein, leur carrière, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Qu'est-ce qu'ils vous disent sur le bien-être ? Alors, ce qu'ils nous disent sur le bien-être, c'est que c'est quelque chose qui est devenu essentiel. Ce qu'il faut savoir, c'est que, alors je vais pas vous noyer dans les chiffres, mais 39% des gens qui ont répondu ont constaté que une dégradation de leur santé mentale. Ah. Alors voilà, c'est-à-dire que alors c'est aussi lié au confinement. C'est pas qu'une question de travail à distance. C'est aussi lié au confinement. Mais ils ont constaté ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce critère devient primordial pour eux, pour leur futur. Voilà. Donc à un moment donné, ils ont fait ce constat et se disent, voilà, moi j'ai vécu ça, hein, depuis un an, depuis 12 mois, et dans ma carrière future, dans mon futur, je veux que ça change et je veux vraiment le mettre sur le sommet de la pile et faire en sorte que voilà, je sois bien pour travailler efficacement. Alors, 39% des personnes interrogées ont l'impression que leur santé mentale s'est détériorée au cours des 12 derniers mois. 9 sur 10 considèrent qu'il est important que la culture d'entreprise mette justement l'accent sur ce bien-être mental. Exactement, et ça va faire partie des critères de choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous choisissez d'aller travailler à droite ou à gauche, il y a différents critères qui rentrent en ligne de compte. Bien entendu, il y a le salaire, etc. Mais aujourd'hui, cette culture d'entreprise qui va mettre ce bien-être au travail en top priorité va devenir un critère important. Et on le constate déjà aujourd'hui sur certaines entreprises qui ont quelquefois du mal à capter les talents parce que ils n'ont pas forcément mis en place les systèmes qui permettent de le faire. Est-ce qu'on peut dire, Paul Bailleul, quand même, vous nous le dites, ça devient une priorité pour les entreprises. Il était temps, ça veut dire que ça n'allait pas forcément de soi au départ ? Ben, ça n'allait pas forcément de soi, et alors c'est assez culturel aussi. Hein. Y a des pays dans lesquels c'était beaucoup plus répandu. Voilà. Sur la France, il y avait encore cet aspect culturel qui était de dire, voilà, pour travailler, il faut être présent. Voilà, il faut être présent dans les locaux de l'entreprise, pour pouvoir faire les missions ou exécuter les missions et les tâches auxquelles qu'on doit effectuer. Alors compte tenu de ce préambule justement, eh bien ce sentiment exprimé par tous les salariés que vous avez interrogés dans plusieurs pays européens, comment les entreprises doivent-elles faire preuve de flexibilité et notamment, tiens, la fameuse question du télétravail. On va beaucoup en parler ce matin à l'occasion de cette matinée que vous organisez, vous, Citrix, Paul Bailleul. Ouais. Alors, justement, c'est le terme télétravail, finalement, c'est travail à distance ou travail flexible. D'accord ? Alors, ce qu'on vient de connaître là, dans toute cette période des 12 derniers mois, c'est que ça a été du 100%. Ouais, voilà. Et c'est ça qui est difficile. Ça, c'est extrêmement difficile. On parlait là des gens qui avaient constaté une dégradation de leur santé mentale. C'est lié aussi à ça. Voilà. Bien sûr. Maintenant, là où il faut évoluer, et Gérald en parlait tout à l'heure sur l'évolution du monde de l'entreprise et du rapport au travail, c'est cette flexibilité. Et c'est la liberté laissée aux salariés de pouvoir travailler ou au bureau, ou chez lui, ou ailleurs. Ou ailleurs, hein, on voit aussi se développer de plus en plus les espaces de coworking. Juste. Voilà. Donc, ou ailleurs. Et qu'ils aient les mêmes conditions de travail, qu'ils soient à l'intérieur des murs de l'entreprise ou ailleurs. Et dans ce sondage OnePoll, justement, 52% des sondés estiment que les entreprises passeront à côté des meilleurs talents si elles ne proposent pas cette flexibilité. Ça va être quelque part un
vecteur d'attractivité. Ah, tout à fait, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui... Moi, on peut être intéressé par une entreprise, mais la manière dont on va pouvoir exécuter ses missions au sein de cette entreprise, ça devient primordial. Et je peux hésiter, moi, alors je vais prendre l'exemple de la région parisienne, je ne veux pas forcément faire de parisienne. Non, bien sûr, parce qu'on nous regarde de partout ce matin, justement. Voilà, tout à fait. Moi, je suis Lillois d'origine et je peux vous assurer qu'à partir de 7h du matin sur l'autoroute du Sud qui amène à Lille, c'est juste infernal. Et ça n'a rien à envier au périphérique. Mais le fait de pouvoir finalement rejoindre une entreprise qui est à 50-60 km de chez soi et de se dire « mais je vais pouvoir y participer, rentrer dans cette entreprise, effectuer mon travail dans cette entreprise de manière flexible », ça va devenir un critère extrêmement important. Et 42% déclarent que s'ils devaient changer d'emploi, ils n'accepteraient un nouveau poste qu'à condition de pouvoir bénéficier du télétravail et d'options de travail flexibles. Alors, dans ce contexte, on voit le télétravail qui se développe. Nécessairement, il y a toujours une petite question de flou, flou juridique. Alors, il y aura aussi d'autres questions, évidemment. On en reparlera tout à l'heure au cours de cette matinée avec vous, des questions de sécurité, des questions de management. Ouais. Mais bon, 6 Français sur 10, enfin 6 collaborateurs sur 10, pas des Français, 6 collaborateurs que vous avez interrogés avec OnePoll, considèrent que le gouvernement devrait légiférer sur le télétravail. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de normes dans le droit du travail, il y aura des normes réglementaires. On ne se pose pas la question, quand on prend un CDI, de savoir si on aura des congés payés ou pas. C'est réglementaire. C'est droit, c'est réglementaire. Voilà. Bien sûr. Et ensuite, il y a des normes qui sont liées au métier que l'on exerce. Si je prends... Alors, je prends mon métier de manière très, très personnelle. Mon métier, aujourd'hui, quand vous êtes commercial, il y a des normes. La norme, c'est le véhicule de fonction ou de société, c'est le téléphone. Voilà. Et bien là, va en rentrer dans les normes, aujourd'hui, le télétravail, cette flexibilité qui va être offerte aux collaborateurs. Ouais. Alors, c'est intéressant parce que vous parliez de Lille, vous parliez en effet Paris région. Il y avait une autre étude que vous aviez commandée, toujours avec OnePoll, qui montrait que les Français sont prêts à quitter les villes pour la campagne s'ils peuvent poursuivre leur job en télétravail. Enfin, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Gérald Carsenti, mais tout ce qui s'est passé depuis cette année, c'est considérable, à tout point de vue, quelque part. Oui, tout à fait. Et si on avait des professionnels de l'immobilier, ils pourraient nous dire exactement la même chose. Voilà. Alors, on avait fait différents sondages aussi avant, après la crise. Et à un moment donné, il y avait l'idée que pour être à la fois performant, mais aussi pour pouvoir bénéficier d'une évolution dans l'entreprise, il fallait être absolument présent. Absolument présent. Et aujourd'hui, ce pourcentage de gens qui estiment qu'il faut être absolument présent en permanence, il a baissé. Il est passé de 43 à 35%. Donc c'est une tendance. Donc aujourd'hui, pour bénéficier, pour pouvoir évoluer dans une entreprise, on n'est plus obligé d'être présent à 100% du temps. Voilà. Et il y a à peu près un peu moins de la moitié aujourd'hui des gens qui ont été sondés, qui sont prêts aujourd'hui à faire ce move et à se projeter ailleurs que dans ces grands centres, dans ces grandes villes. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important. C'est vraiment un changement de fond. Parce qu'il y a quand même 39% des gens qui ont été interrogés qui non seulement l'ont fait, ou alors ont vraiment l'intention de le faire. Ont le projet de le faire. Même moi, dans mon entourage proche, chez mes collaborateurs, si je veux donner mon exemple, j'ai des gens qui m'en ont parlé. Alors, il y a toujours le petit dernier. Vous voulez retourner à Lille, vous, ou pas, non? Alors, moi, je ne veux pas forcément retourner à Lille, mais je suis prêt à aller travailler ailleurs. Bien sûr. Qu'à Paris, ça, c'est sûr. Et il y a toujours le petit dernier qui passe son bac l'année prochaine. Donc là, on ne bouge pas. Mais après l'année prochaine, c'est dans 12 mois. Allez, tout le monde s'en va. Voilà. Bon, très bien. On vous retrouve tout à l'heure, évidemment, Paul Bailleul. On reparlera d'ailleurs des questions de télétravail dans un instant avec nos prochains invités, avec Sarah Nelson, avec Nelly Magret, avec Stéphane Dubois. Et puis la question qui se posera notamment avec vous tout à l'heure portera sur le choix de la technologie, évidemment, dans l'organisation du travail. Parce qu'il y a plusieurs aspects, évidemment, à prendre en compte. Vous nous le direz, Paul, bien sûr, l'aspect bien-être, l'aspect sécurité, bien sûr. Ouais. À la maison, est-ce que les systèmes sont aussi sécurs qu'au bureau? Et l'aspect responsabilité. Ouais, pas évident, bien sûr. Bon, beaucoup de données à prendre en compte. On se retrouve dans quelques instants. Restez avec nous, matinale spéciale, vecteur de croissance, voilà, la transformation digitale, vecteur de croissance et de bien-être au travail. Et puis, vous continuez de réagir, évidemment, sur hashtag TransfoDigital21. On se retrouve dans une poignée de secondes. À tout de suite. We'll be right back.
j'entends parfaitement. Vous m'avez entendu ? Voilà, et on se retrouve évidemment au cœur de cette matinée spéciale organisée par Citrix autour de la transformation digitale, vecteur de croissance et de bien-être au travail. Vous continuez de réagir, bien entendu, hashtag TransfoDigital21, tout attaché, bien entendu. Je vais vous présenter nos nouveaux invités, donc je vous dis un très très beau plateau donc, dans cette matinée spéciale. On est avec Stéphane Dubois, bonjour. Bonjour. Stéphane Dubois, qui est le directeur groupe des ressources humaines de Safran, l'équipementier, le motoriste donc à aéronautique. Avec nous, Sarah Nelson, bonjour. Bonjour. Sarah Nelson, vous êtes senior directeur Europe, Moyen-Orient, Afrique de Citrix, membre du COMEX de Citrix, et puis votre mission première en arrivant dans votre poste, qui a été fraîchement créée, c'était de mener la transformation fondamentale de l'orientation stratégique, de l'organisation dans toutes ses dimensions humaines. Et puis on va retrouver un petit peu plus tard Nelly Magret, bonjour. Bonjour. Nelly Magret, qui est à distance, elle est coach, elle est consultante en RH, elle est partenaire de la société Adhoc. Elle a co-écrit Télétravail de crise au télétravail durable. On reviendra évidemment sur la question du télétravail, question évidemment que je posais il y a un instant à Paul Bayeul de Citrix. Sarah Nelson, qu'est-ce qu'on entend exactement par bien-être au travail? C'est quoi? C'est repenser ses bureaux, installer un baby-foot pour les collaborateurs? Non, on est au-delà de ça, j'espère. Bien sûr, ouais. Bien sûr. Toutefois, je dirais que le bien-être au travail, ça veut dire des choses différentes pour chacun d'entre nous. Donc pour certains, ça peut être un baby-foot, ça contribue. Ça peut être de beaux locaux, mais c'est vrai qu'avec la transformation que nous avons tous vécue depuis un an, c'est beaucoup plus complexe. Je dirais parce que je pense que ce qui nous fait rester dans une entreprise, c'est donc beaucoup de facteurs différents. C'est certes la rémunération, c'est l'environnement du travail, mais ça va au-delà. Je pense que c'est notre adhésion, en fait, à la culture de l'entreprise, à ses valeurs. À son histoire aussi. Tout à fait. Mais quand on est loin, comme bon nombre d'entre nous le sommes aujourd'hui et depuis un certain temps, ce n'était pas juste un moment de crise, mais dans la durée. Qu'est-ce qui fait qu'on souhaite rester et ce n'est pas juste une question... Aujourd'hui, on peut changer d'entreprise et simplement en changeant d'ordinateur ou de badge, puisqu'on est très loin. Donc, en fait, c'est plus une affinité à un peu le tissu en fait, de l'entreprise. Donc, ses valeurs, sa vision, sa finalité.
Donc, en fait, ce sont des choses beaucoup moins tangibles qu'auparavant. Il va falloir nous l'expliquer, justement. Tiens, je vous le disais, au cours de cette matinale spéciale, on prend des exemples, des retours d'expérience. On a voulu donner la parole à des DRH de groupe, c'est votre cas, donc M. Dubois, donc, chez Safran. Comment le bien-être au travail, il est devenu un facteur déterminant pour une très grande majorité de salariés? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous nous dites? Bah écoutez, c'est quelque chose d'absolument essentiel simplement pour l'engagement des gens au quotidien, pour qu'ils soient heureux d'être présents dans cette entreprise, de contribuer, de partager avec les autres. Vous avez plusieurs dimensions. Vous avez évidemment, pour une grande partie des gens qui ne sont pas en télétravail, hein, qui sont dans les usines, qui produisent, là, vous avez des conditions de travail qui ont été totalement transformé par la digitalisation. Aujourd'hui, en termes d'ergonomie, porter des pièces, les déplacer, les contrôler en matière de qualité, avec la réalité virtuelle, tous ces éléments ont totalement transformé les postes de travail. Donc ça, c'est vraiment une dimension importante qui fait une vraie différence dans le quotidien du travail. Puis vous avez des postes plus dits support, hein, des fonctions support, qui, elles, évidemment, travaillent différemment, collaborent différemment, ont des moments vraiment d'innovation, de travail collectif, et bien qui se construit différemment grâce à cette digitalisation et qui ont été très accélérés dans la période présente, absolument. Question que je pose à tous les deux dans ce contexte, comment la transformation digitale, elle doit améliorer donc le cadre de travail de chaque collaborateur, justement. Comment est-ce qu'on transforme les pratiques? Comment est-ce qu'on transforme l'organisation du travail? Et vous avez eu raison, Stéphane Dubois, quelque part, de dire bah, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, nécessairement. Hein. Oui, je pense que la question que pose la digitalisation, c'est une question qui est tout de même liée à l'organisation du travail. Les choses partent de là, et on voit bien qu'il y a une tendance de fond et qui n'est pas forcément liée à la digitalisation, qui est celle vraiment de l'autonomie, de la responsabilité que l'on veut donner à l'ensemble des collaborateurs, qui est aussi un facteur de bien-être. Parce qu'à partir du moment où on a la possibilité de réaliser, de s'impliquer... On se responsabilise. Et clairement, on y reviendra tout au long de cette matinée, clairement, l'année qui vient de se passer a conduit à une plus grande autonomisation, j'ai l'impression, des collaborateurs. Bah oui, parce que nécessairement, il n'y a pas toujours de manager à côté, ou les chefs d'équipe n'étaient pas toujours là, donc à un moment, il a fallu se prendre en main un peu plus, peut-être. Oui, absolument. Ça, c'est la distanciation a amené à revoir les façons de travailler, c'est évident. Et en même temps, elle a posé sur le management une toute nouvelle responsabilité qui était d'animer, et qui est toujours d'ailleurs, d'animer complètement différemment les équipes, d'arriver finalement à des résultats similaires ou parfois la nécessité de s'adapter aux circonstances, eh bien, en travaillant de façon tout à fait différente. Donc là, il y a vraiment quelque chose de différent qui est en train de se passer. La digitalisation a considérablement aidé, les moyens de communication. Et finalement, ce qui est très différenciant, je trouve, c'est que les temps de travail prennent vraiment des significations différentes. Ah. Lorsque vous êtes chez vous, ouais, eh bien vous êtes dans un temps peut-être plus personnel, ouais. Ouais. Évidemment parfois en communication via la vidéo avec d'autres personnes, mais c'est un temps qui est peut-être un peu plus personnel. Et puis dans l'entreprise, vous avez des temps collaboratifs, où vous êtes ensemble, et ces temps sont devenus absolument essentiels. C'est un des enseignements de ce qui s'est passé dans les derniers mois, c'est qu'on voit à quel point l'entreprise est un lieu de lien social. De conversation, de collaboration, ça, je reprends l'expression de Gérald Carcenti tout à l'heure de SAP. Absolument, et ça pose les questions dans l'entreprise de comment innove-t-on, comment travaille-t-on ensemble, comment, au moment où nous sommes ensemble, eh bien, que faisons-nous ensemble? Sarah Nelson, j'ai adoré ce que vient de nous dire Stéphane Dubois, quelque part, sur la différenciation sur les temps de travail. Et c'est vrai, Sarah Nelson, on n'est plus du tout dans le 9h-18h d'avant. On est dans un modèle beaucoup plus flexible, quelque part, une approche culturelle totalement différente. Tout à fait, tout à fait. Avec des opportunités et des inconvénients, d'ailleurs. Et des opportunités... Il faudra les expliquer, il ne faudra surtout pas les cacher, ces inconvénients. Absolument, ouais. Absolument. Donc des opportunités, bien évidemment, parce que, par exemple, moins de temps de transport pour... Bien entendu, là, je parle des personnes qui sont à distance.
Donc, moins de temps de transport. On prenait le cas tout à l'heure, et c'est Paul Bailleul qui nous racontait eh bien, le périphérique lillois, enfin, en tout cas, l'accession à cette grande métropole. Bah, c'est vrai que c'est compliqué, comme toutes les grandes métropoles, bien sûr. Tout à fait, tout à fait. Je dirais aussi qu'on est plus dans une approche, nécessairement, de mesurer plutôt des résultats et l'impact, en fait, des collaborateurs, et non le temps de présence. Anciennement, dans beaucoup d'entreprises, c'était bien d'être vu à 9h ou à 8h30 dans l'entreprise, et si on pouvait aussi être vu à 19h ou 20h, c'était très bien aussi. À la limite, peu importe ce qu'on produisait. Ouais, bien sûr. Bon, c'était un peu une ancienne culture, on va dire. Aujourd'hui, on mesure l'impact de ce qu'on produit, ce qu'on accomplit, et ça, je pense que c'est une très bonne chose. En revanche, bien entendu, on est face aussi à des phénomènes de bien-être. Justement, on arrive au cœur du sujet, de l'isolation, justement, des employés, du phénomène d'écran à longueur de journée, bien sûr, bien sûr. Sans pause. Ouais. Ça, on va reparler avec Nelly Magret dans un instant, bien sûr, parce qu'elle a consacré son livre entièrement à ça. Mais là, vous parlez quelque part, il fallait être bien vu d'arriver avant 9h, rester le plus tard, etc. Bon, c'était un peu peut-être vu du côté de l'entreprise, mais l'expérience, on parle souvent de l'expérience client, l'expérience collaborateur, quelque part. En quoi, à votre avis, a-t-elle changé avec cette pandémie, Sarah Nelson, Stéphane Dubois? Allez-y, Sarah, s'il vous plaît. Je pense que là encore, c'est variable. Selon ses propres circonstances, selon sa situation familiale, selon ses propres souhaits personnels et styles de travail. Ça peut être très, très profitable. Ça peut être aussi selon un moment de sa vie. Peut-être il y a 6 mois, il n'y avait que des avantages. Je pense qu'aussi, on le disait tout à l'heure, que hors caméra, qu'il y a une fatigue générale avec cette pandémie qui perdure. Générale, au-delà du travail, hein, c'était le sondage que vous avez réalisé commandé à OnePoll, justement, cette espèce de... Voilà, enfin, le mal-être psychique lié au confinement, lié à plein de choses. Enfin, voilà, on ne voit pas le bout. En dehors de l'entreprise, mais qu'on vit aussi à l'intérieur. Bien sûr, dans notre vie personnelle, bien sûr. Absolument. Donc, je pense qu'il y a... L'opportunité, là encore, pour positiver, c'est que je pense que ça nous oblige, nous, RH, à être beaucoup plus innovants dans nos façons d'agir et de créer des solutions et aller au-delà, en fait, de nos fonctions antérieures. Justement, tiens, Stéphane Dubois, chez Safran, le contexte actuel que rappelait très justement Sarah Nelson, c'est quoi? C'est un obstacle, une opportunité, justement, eh bien, à la progression des entreprises sur ce sujet du bien-être, la transformation du travail? Je pense que la notion de bien-être, c'est quelque chose qui, pour le coup, chez Safran, est vraiment très ancienne. On ne l'a pas découvert... Concrètement, c'est quoi le bien-être chez Safran? Allez, moi, j'ai envie de postuler un jour chez Safran, comme ingénieur, comme mécanicien, etc., on me dit, il y a du bien-être chez Safran. Ça recouvre quoi chez vous? Ça va dépendre tout à fait du type de poste sur lequel vous allez être. Mais ce que je vous disais, lorsque vous êtes compagnon dans une usine et que vous avez un cobot qui vous accompagne pour déplacer telle ou telle pièce, quand vous faites un contrôle visuel qui va être de très très grande qualité parce que vous allez avoir de la réalité virtuelle, ça change complètement votre façon de travailler. Ça la simplifie, ça la rend parfois plus intéressante. Lorsque vous êtes face à des nouvelles façons de produire, que vous êtes tourneur, que vous avez un tour entièrement automatisé, votre métier n'est plus le même. Et évidemment, il y a une pénibilité au travail qui disparaît. Sure. Donc ça, c'est fondamental. Et on se concentre toujours sur le télétravail, mais n'oublions pas que dans notre société, une grande partie des gens travaillent, continuent. Et ces fonctions qu'on a qualifiées d'essentielles, on les voit absolument partout, parce que la présence est essentielle. Donc, c'est quoi? C'est une opportunité ou un handicap sur la transformation du travail, sur l'arrivée du bien-être des collaborateurs? C'est à l'évidence une opportunité. Mais une opportunité qui s'inscrit dans un mouvement qui avait déjà commencé. Ancien. C'est une accélération. Et ça, c'est important. Les choses ne commencent pas avec le Covid en 2020. Heureusement. Donc ça, c'est un point important. Il est évident que
sur des fonctions qui sont plus des fonctions de service ou plus tertiaires, là, les choses évoluent parce que la distanciation est quelque chose qui change la relation de travail. Et dans ce cas-là, évidemment, le bien-être, c'est de prendre en compte eh bien, les différents temps de travail et de savoir s'occuper des collaborateurs, les impliquer, créer le lien dans des circonstances qui ne sont pas homogènes. Et évidemment, quand on travaille chez soi, eh bien, il faut poser les conditions. Le bien-être au travail, c'est ça, ce sont des choses extrêmement concrètes. On sait très bien que lorsque les enfants n'étaient pas à l'école, c'était compliqué. On sait très bien qu'à partir de 4h30 ou 5h du soir, c'est plus compliqué pour un certain nombre de familles. Bon, eh bien, le bien-être au travail, c'est de savoir intégrer ça dans le travail ensemble que l'on a. Il est évident qu'il est plus difficile d'avoir des vidéoconférences à partir d'une certaine heure ou trop tôt le matin. Ça veut dire que les vidéoconférences, nécessairement, s'adaptent à certains horaires. C'est-à-dire que la vie professionnelle va, quelque part, aller s'adapter à la vie personnelle et non plus le contraire, c'est un peu ça ? Mais la première des choses, c'est de former l'ensemble des managers qui ont des équipes et qu'il y ait une compréhension commune, un langage commun de comment doit-on travailler avec des conditions nouvelles. Ça, c'est la première des choses que nous avons faites, c'est de proposer des formations, de l'accompagnement, pour faire en sorte que nous soyons tous ensemble. Et ça, c'est déjà opérationnel, ces formations, ce programme de formation que vous avez lancé assez vite. Dès le mois d'avril, on a commencé. Dès le mois d'avril l'an dernier. Bien sûr, parce qu'on s'est rendu compte que ça serait tout à fait différenciant, précisément sur cette notion de bien-être et de lien social. On va appeler Nelly Magret dans un instant. Juste un mot, toujours Sarah Nelson, pour compléter ce que disait Stéphane Dubois. Alors, moi, je pense en toute humilité que nous n'avons pas non plus Citrix, comme toutes les entreprises, nous n'avons pas la formule absolue du bien-être. Je pense que ça passe par les leçons que nous avons tirées de nos découvertes, de nos erreurs, comme tout le monde. Je pense que la proximité des managers, effectivement, est la formation, le coaching des managers sur ce que c'est que de manager des personnes à distance est primordial. Je pense que nous continuons notre chemin là-dessus. C'est essentiel, la proximité renforcée, bien sûr. C'est essentiel. Nous aussi, les RH, on a notre rôle à jouer là-dedans. C'est un nouveau travail pour l'un et l'autre, hein, clairement. Vous êtes dans les RH. Votre métier aussi, il a changé, clairement. C'est pas que le métier des collaborateurs. Vous en faites plus, enfin, vous avez découvert un nouveau métier ou pas, Stéphane Dubois, Sarah Nelson? Je ne sais pas si j'ai découvert un nouveau métier. En revanche, une question qui est vraiment, je dirais, très profonde, qui est quel équilibre on pose au travail, qui est vraiment, dans ce métier RH, absolument essentiel. Cette question d'équilibre est devenue absolument centrale. Parce qu'on a bien vu que cette période a généré des déséquilibres avec des phases différentes, et en plus, elles durent. Et donc, il faut avoir cette capacité à cette résilience dans le temps, l'organiser. Et c'est pour ça qu'à la fois l'organisation du travail, la gouvernance, la façon dont eh bien, le management va s'impliquer et les compétences des personnes pour pouvoir travailler à distance ou ensemble sont vraiment des sujets essentiels. Nouveau métier ou pas ? Nouvelle dimension. Nouvelle dimension. Ça s'est élargi, en fait. C'est un nouvel équilibre, comme dit Stéphane, je suis entièrement d'accord. Bon. Nelly Magret, on vous retrouve. Nelly Magret, donc, à distance, donc, au cœur de cette matinée spéciale transformation digitale vecteur de bien-être en entreprise, organisée par Citrix. Nelly Magret, je rappelle votre livre du télétravail de crise au télétravail durable. Ben voilà, télétravail durable. Il s'est installé, le télétravail, ce que constatait tout à l'heure très justement Paul Bailleul, donc directeur grand compte Citrix. Ce télétravail, il va changer ou non eh bien, cette notion de bien-être, à votre avis, Nelly Magret? Alors, le télétravail durable n'est pas encore vraiment installé pour moi. On est encore un peu dans la crise et il sera en place effectivement lorsqu'on pourra choisir ou pas de télétravailler et non pas télétravailler pour résister à la pandémie. Et après, il faudra un cadre légal, à votre avis, Nelly Magret, c'est ça, il s'installera quand il y aura vraiment un cadre réglementaire qui fera que chacun pourra se configurer?
et au moins au sein de chaque entreprise, parce que c'est chaque entreprise à un moment donné qui va définir les contours, je dirais, du télétravail en fonction aussi des objectifs et des possibilités de l'entreprise. Alors après, effectivement, c'est le mieux-être qui est au centre de la réflexion de ce matin. Évidemment que le télétravail est un élément vraiment favorable au mieux-être dès lors qu'il est choisi. Choisi par ceux qui télétravail, choisi, alors accepté également par les managers. Vos invités parlaient des managers, effectivement, ils sont au centre de la réussite du télétravail. Et le télétravail ne doit pas être également quelque chose qui impacte négativement ce qui reste ensuite au bureau. Donc il y a tous ces éléments-là qui font que le mieux-être sera présent pour tous, pour les télétravailleurs, pour les managers, pour les non-télétravailleurs, si on rentre vraiment dans une dynamique gagnant-gagnant pour donc les collaborateurs, les managers, mais également l'entreprise. L'entreprise ne doit pas perdre dans cette histoire de télétravail. Oui, Nelly Magret, que chacun soit gagnant-gagnant, d'accord. Mais alors, ça s'organise, comment? On se met autour d'une table, on discute de quoi? C'est quoi les atouts d'un côté qui peuvent être les handicaps de l'autre? Alors oui, ça se construit ensemble au sein d'une équipe. Alors moi, je suis plus effectivement dans l'équipe. Au sein d'une équipe, c'est quelque chose qui se définit entre le manager et puis les collaborateurs, parce que effectivement, si par exemple quelqu'un dans l'équipe dit ben, « moi en fait j'aimerais bien travailler 5 jours sur 5 parce que j'habite à 500 km de mon entreprise », c'est pas sûr que l'équipe y trouve son compte, c'est pas sûr que le manager y trouve son compte aussi. C'est vraiment une organisation au sein de l'équipe qui doit se construire avec le manager et les collaborateurs et en fonction aussi des règles définies au sein de l'entreprise. Oui, parce que vous nous dites, bon, le télétravail, choisi, accepté, très bien, mais la question, est-ce qu'on a toujours le choix? Oui, les collaborateurs et puis les entreprises elles-mêmes aussi, hein, compte tenu évidemment de tout ce qu'on vit, subit même depuis un an. Alors là, c'est pour ça qu'on est dans un télétravail que nous, on appelle de crise. Il n'y a pas vraiment le choix. La priorité, c'est le maintien de l'économie. Et effectivement, quand on dit télétravailler le plus possible, on voit bien que la priorité est sur l'économie et pas sur le fait que les personnes n'aient ou pas envie de télétravailler. Donc effectivement, alors après, cette motivation à télétravailler va être dépendante aussi de la télétravaillabilité des postes. Quelqu'un qui n'a aucune tâche télétravaillable, même s'il aurait le souhait, lui, de télétravailler parce qu'il se dirait que ça lui permettrait d'établir un meilleur équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, il ne pourra pas télétravailler. Oui, c'est exactement la réserve que posait tout à l'heure Stéphane Dubois, justement, en faisant bien la différence entre, j'allais dire, le tertiaire, quelque part, les bureaux, voilà, très bien, on peut faire ça un peu à distance, et puis les lignes de production, évidemment, quand on va fabriquer des moteurs d'avion, bah, clairement, on ne va pas le fabriquer de sa salle à manger, nécessairement, hein, Stéphane Dubois. Comment est-ce qu'on réussit le télétravail, à votre avis, Nelly Magret? Alors, du point de vue collaborateur, on le réussit dès lors qu'on est dans des conditions qui permettent de télétravailler correctement. Si effectivement télétravailler, c'est être assis en tailleur sur le sol avec son ordinateur devant soi, on voit bien que ça, on peut le faire pendant 1 heure, 2 heures éventuellement parce qu'on n'a pas le choix, mais le faire toute une journée et que cette journée-là se reproduise toutes les semaines, c'est juste pas possible. Donc, était évoqué d'ailleurs par l'un de vos invités, les coworking, les espaces de coworking qui peuvent être une vraie solution lorsque les conditions matérielles ne sont pas adaptées. Après, vous pouvez avoir des personnes aussi qui ne souhaitent pas faire rentrer le travail chez eux, tout simplement parce qu'ils ont besoin à un moment donné de vraiment séparer le lieu où ils vivent avec leur famille et le lieu où ils travaillent. On n'est pas obligé d'accepter de travailler chez soi. Donc il y a ces éléments-là qui font que le télétravail va être une réussite. Restez avec nous, Nelly Magret. C'est une question que je vais vous poser à tous les trois, quelque part, puisque quel conseil vous donnez? Comment réussir le télétravail? Finalement, ce qu'elle nous dit, Nelly Magret, c'est un collaborateur qui n'aura peut-être pas forcément envie de rentrer dans le télétravail, parce qu'il ne voudra pas faire rentrer son entreprise dans sa sphère personnelle. Mais est-ce qu'il aura vraiment le choix? Est-ce qu'à un moment, les entreprises ne vont pas dire c'est ça ou rien? Voilà, Nelly, Sarah Nelson. Oui, alors, pour ce qui concerne Citrix, ce que nous sommes en train de mettre en place, c'est un projet à moyen terme, c'est de mettre en place un système de travail hybride. Donc, en fait, ça sera un mélange. Ouais. Pour ceux qui souhaitent travailler, et on a fait beaucoup d'écoute en interne sur ce que souhaitent nos salariés, et a priori, en fait, la plupart souhaitent faire un mélange. Bien.
C'est quoi le bon ratio et je demanderai aussi à Nelly Magret pour la vie professionnelle et puis la vie personnelle. C'est sur 5 jours de travail, c'est quoi Pour la plupart des salariés chez nous, en fait, c'est de faire un peu moitié-moitié. Moite-moite, d'accord. Voilà, moite-moite. Ah. Donc 2 à 3 jours à la maison, 2 à 3 jours au bureau. Il y a certains salariés, et il y en a même dans ma propre équipe, qui ne supportent pas, comme disait Nelly, qui ne souhaitent pas travailler à la maison. Soit pour des raisons physiques, de pas de place, ou des enfants en bas âge, ou simplement par préférence personnelle, qui n'aiment pas ça et qui ne sont pas... On coupe les deux, voilà, c'est tout. Voilà, qui préfèrent avoir cette coupure, qui se respecte tout à fait. Et pour le succès aussi de l'entreprise... en étant dans les hautes technologies, en fait, on doit trouver les talents pour la pérennité en fait, de l'entreprise. Parce qu'il y a pénurie de talents. Et en fait, on doit aller chercher les talents dans de nouveaux endroits et nouveaux types de profils. Donc, en fait, on se doit aussi d'être très, très innovateur en fait, dans notre façon d'aller chercher d'autres profils. Et donc d'être très flexible en fait oui, dans notre c'est intéressant. Approche. Ce que vous dites, c'est quelque part, si le talent que vous cherchez, il n'est pas en région parisienne, alors qu'avant, bah, vous auriez absolument cherché quelqu'un en région parisienne au siège de Citrix, bien entendu. Et là, quelque part, vous dites, ah bah très bien, si le gars ou la fille, enfin peu importe, il se trouve à Brest ou à Montargis, bon bah finalement, on va le prendre parce que on va pouvoir le faire bosser à distance, c'est ça. Par exemple, c'est bien. Par exemple, ou au fin fond de la province, dans un petit village, ou bien des types de, par exemple, des femmes qui souhaitent un retour à la vie active après un break, exemple. Ou tout autre type de profil que nous pouvons former de zéro. Il y a l'innovation. J'ai l'impression qu'il y a toute une échelle qui va se mettre en place avec une panoplie de solutions. C'est ce que vous allez ce sur quoi vous réfléchissez chez Safran, Stéphane Dubois. Mais écoutez, ce qui est certain, c'est que le télétravail, ça devient un standard. C'est la norme, ce que disait Paul Bayel tout à l'heure. Voilà. Absolument, il n'y a plus de question de savoir si oui ou non on va en faire. Après, encore une fois, c'est une question d'équilibre. Sarah disait 50%, peut-être que certains préfèrent une journée, 2 jours. Bon, voilà, tout ça fait l'objet finalement d'accords qu'il faut avoir avec les partenaires sociaux et trouver, encore une fois, en écoutant les gens, trouver les bons équilibres, parce que ce qui se joue quand même, c'est l'engagement au travail. C'est ça. Et ça, ça suppose de bien comprendre ce que sont les enjeux, ce que sont les équilibres personnels, et laisser au travers de ça une certaine flexibilité. Maintenant, il faut aussi que les enjeux de l'entreprise puissent être compatibles avec ça. Et quand vous engagez, par exemple, dans des grandes transformations comme les entreprises vivent aujourd'hui, que ce soit la transformation climatique, que ce soit la transformation digitale, qui sont vraiment les deux grands enjeux de transformation de nos métiers. Qui sont très liés. À un moment donné, vous voyez bien que le fait de travailler ensemble, de construire ces moments collaboratifs, sur une échelle qui peut être nationale, qui peut être globale, qui peut être... C'est vrai que les raisonnements se globalisent énormément, posent des questions d'inclusion, de diversité, et qu'il faut que l'entreprise prenne ces sujets à bras-le-corps et que la façon de travailler est absolument critique. Donc le télétravail est une des pièces dans le puzzle. C'est encore une fois un standard, mais ce qui compte à la fin, c'est la façon dont on va traverser ces périodes de très grande transformation des métiers. Donc c'est vraiment un tout. Et c'est probablement ça, souvent, qui est difficile à faire comprendre, c'est que, au fond, on aborde chacun des aspects de façon totalement saucissonnée. Le télétravail n'est pas indépendant du reste. D'un ensemble. Et effectivement, c'est une question essentielle du bien-être, c'est une question essentielle de la productivité des entreprises, et il faut de l'écoute, et puis arriver à trouver des solutions adaptées aux entreprises. Nelly Magret, ce que dit Stéphane Dubois, le télétravail, c'est un élément important, mais c'est un élément... parmi d'autres, d'une chaîne qui contribue au bien-être des collaborateurs et puis également, évidemment, à la performance des entreprises. N'oublions pas ça aussi. Bien sûr, et effectivement, la performance des entreprises ne doit surtout pas être oubliée. De toute façon, c'est simple. Si à un moment donné, elle est oubliée, les entreprises feront un retour en arrière sur le télétravail. Ça s'est déjà vu avant la,
avant la pandémie, hein, des entreprises qui étaient complètement revenues en arrière sur le télétravail parce qu'ils s'apercevaient que les équipes étaient moins créatives, parce qu'il y avait moins de collectifs, que le sentiment d'appartenance à l'entreprise existait moins. Donc c'est ça qu'il faut éviter à tout prix et il faut l'intégrer comme un élément parmi d'autres. Alors tout à l'heure était évoqué le nombre de jours de télétravail. Effectivement, c'est un phénomène hybride. Alors nous, on dit, attention, ne dépassez pas trop 2 jours par semaine, puisqu'il y a le lien social qui va être distendu et effectivement, le collectif va perdre. Alors après, évidemment, pour un individu donné, il peut très bien dire, moi, le maximum que je puisse faire, c'est 1 journée par semaine. Après, j'ai besoin de voir mes collègues, j'ai besoin d'être avec eux. Donc il y a ces deux éléments, il y a le général et puis l'individuel. Il faut tenir compte de l'individuel, évidemment. Il a besoin de voir ses collègues, il a besoin de voir ses managers, et j'allais dire vice-versa aussi, les managers aussi ont besoin de voir les collaborateurs quelque part, Stéphane Dubois, Sarah Nelson. Je suis entièrement d'accord. Je pense qu'effectivement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est variable d'une personne et une autre, c'est variable selon les métiers. Et à partir du moment où le collaborateur et l'entreprise sont gagnants, tout va bien. Donc, c'est le but. Stéphane Dubois. Oui, je pense que, enfin, on va dire des choses extrêmement simples, mais l'entreprise, c'est un lieu de relations sociales. Le contrat de travail, c'est avant tout un lien social. Et c'est ça qu'on est en train de redécouvrir. Pourtant, c'était une évidence, mais parler avec les gens, prendre un café, travailler ensemble, construire quelque chose, avoir un projet, c'est un des facteurs essentiels du sens et qui fait que, voilà, on avance dans la vie. Donc, cette crise a fait un peu redécouvrir ça, que le rôle de l'entreprise, qui souvent a été extrêmement critiqué, tout d'un coup, revient quand même un peu central quand une grande partie du reste disparaît. Ça reste le point d'ancrage, exactement. Donc ce sujet de sens au travail, c'est quelque chose qui est absolument central, oui, bien sûr. Comment transformer les pratiques, l'organisation au travail pour donner aux collaborateurs les moyens d'atteindre une plus grande satisfaction dans leur travail quotidien ? C'est quoi les erreurs à éviter ? Je m'adresse au DRH que vous représentez. Les erreurs que commettent le plus souvent les RH à l'heure de la transformation digitale. Il ne suffit pas d'avoir de nouveaux outils, évidemment. Il faut pouvoir les expliquer. Il faut pouvoir aller inciter chacun à réfléchir à la façon dont on va s'en servir. Stéphane Dubois. Écoutez, nous, on est dans un grand projet de transformation digitale. Comme ça, et de façon très spontanée, moi, je vous dirais former et communiquer, expliquer, écouter. C'est ça, c'est vraiment ça le sujet. C'est assurer une compréhension commune à la fois de là où on veut aller, mais surtout des moyens pour y aller ensemble. Donc ça crée vraiment des enjeux d'inclusion, de le faire ensemble, d'avoir un projet collectif, de le faire partager autour de la communication et de donner les moyens au travers de la formation pour y arriver. Nelly Magret, je vous voyais réagir positivement au propos de Stéphane Dubois. Prenez la parole, s'il vous plaît. Je suis à 100% d'accord avec Stéphane Dubois, évidemment. Et effectivement, la grosse erreur qui peut se produire, là, c'est que, comme depuis un an, plus ou moins, tout le monde télétravaille, on peut se dire, ça y est, on sait télétravailler. Mais non, ça s'apprend, le télétravail. C'est pas quelque chose qui s'improvise. Et malheureusement, moi, ma crainte, c'est que depuis un an, vraisemblablement, de mauvais réflexes sont mis en place qui vont peut-être devenir des habitudes. Et si les entreprises n'interviennent pas très, très vite pour accompagner les collaborateurs comme les managers pour expliquer ce qu'est le télétravail, ce que ça signifie, comment on doit travailler avec le télétravail, je crains pour le télétravail, puisqu'à un moment donné, il n'y a pas de mystère. Si ça ne marche pas, l'entreprise devra revenir en arrière. Et c'est ça qu'il faut éviter. C'est un cadeau caché. De la pandémie, c'est un des cadeaux cachés, hein, ce télétravail qui a changé complètement d'image. Avant, celui qui était travaillé était quand même... on le soupçonnait de fainéantise, quand même. De glandé, bien sûr. Vous pensez à quoi quand vous parlez de mauvais réflexes, Nelly Magret, vous pensez à quoi exactement? Justement, ce qu'on est dans la partie un petit peu... Allez, donnons des conseils, justement, à chacun et chacune qui s'interroge sur le télétravail. Vous faites allusion à quoi? Je vais vous donner un exemple là que je viens d'avoir récemment. C'est quelqu'un effectivement qui est en télétravail du fait de la pandémie et qui s'est dit, comme actuellement c'est quand même un peu dur ce qu'on est en train de vivre, s'est dit tiens, je vais aller chez une amie télétravailler, et qui au final s'est dit tiens,
puisque je suis cet ami, je vais en profiter pour l'après-midi, prendre mon après-midi et aller me promener. Et là, c'est pas possible, parce que si ses collègues ont besoin d'elle à ce moment-là, s'ils veulent l'appeler, elle est plus disponible. Et se dire que le télétravail, c'est travailler quand on veut, comme on veut, c'est pas vrai, ça doit réintégrer le collectif. On travaille, on continue à travailler avec les autres. Sarah Nelson, oui. Citrix. Ce que ça m'inspire, en fait, cette discussion, c'est que je pense que la différence fondamentale, et ça ne se commande pas, c'est qu'en fait, le contrat entre l'employé et l'employeur devient un contrat de confiance. Ouais. Encore plus. Beaucoup plus. Ouais, ouais. Et ça vient avec le temps. Je me souviens d'une entreprise où je travaillais auparavant, il y a quelques années, et en fait, où ils avaient beaucoup, beaucoup de mal à passer au télétravail, simplement parce qu'il y avait cette espèce de supposition que, effectivement, comme vous avez dit, que si on n'était pas sur place, que... Ouais, on se tournait les pouces, voilà. Voilà, on ne faisait rien. Et voilà, d'où ce que vous disiez tout à l'heure, voilà, il fallait se montrer à 8h30, pour montrer qu'on était de bon élève, repartir le soir. Et forcément, ça ne peut pas marcher dans ces circonstances. Ça ne peut pas marcher. Donc, c'est fondé sur un contrat de confiance, et ce que disait Stéphane, c'est que ça doit être basé sur l'écoute des employés, ouais. Ce qu'ils souhaitent et qu'ils soient en quelque sorte dans une mode de co-développement sur un projet de transformation. Là, je reviens simplement à ce que vous me disiez tout à l'heure sur, vue des entreprises, la façon de recruter, de vous dire, si on a un bon collaborateur qui se trouve à l'autre bout de la France, on peut le prendre quelque part. Je reviens aussi sur les questions d'employabilité. Cette notion de bien-être au travail, même de télétravail également, est-ce que, à votre avis, ça devient aussi un enjeu de captation, d'attractivité pour les entreprises? C'est-à-dire que finalement, un collaborateur va se dire « tiens, je vais choisir mon entreprise ». Alors, en effet, le salaire, le poste qui va m'être proposé, etc. Mais pas que maintenant. Voilà, cette notion de bien-être. Et quelque part, est-ce que, alors, sans inverser les rôles, mais est-ce qu'il ne va pas finalement dicter un petit peu plus ces conditions à l'entreprise, alors que c'était le contraire avant Sarah Nelson, Stéphane Dubois, par exemple? Moi, je n'ai pas l'impression que c'était différent. Le rapport à l'employeur ne change pas? Enfin, forcément, moi, je vais parler du tertiaire et notamment oui. de la haute technologie, où il y a, de toute façon, depuis assez longtemps, une pénurie de talents. Tout juste. Donc... je pense que les meilleurs sur le marché ont toujours été dans un rapport de force, en quelque sorte. Moi, ce que je constate, en tout cas, c'est que depuis un an, ce qui fait qu'on peut attirer les bons talents, c'est un mélange de technologies qui fonctionnent bien. Oui, oui. Donc, qui nous permet, en fait, d'être présent un peu partout avec des technologies qui fonctionnent, donc qui permettent de postuler de façon extrêmement efficace et rapide, et d'avoir la même image qu'on soit justement à Nice, en Allemagne, ou n'importe où, et de faire des entretiens, etc., de façon extrêmement fluide. Mais aussi, et là je reviens sur la proximité et la touche personnelle, qu'on investisse vraiment beaucoup de temps personnel, que ça soit le manager qui embauche, les RH, les recruteurs, mais aussi tout un panel de personnes dans l'entreprise pour vraiment être présent dans le processus. Stéphane Dubois, Safran. Écoutez, moi, je vois les choses un petit peu différemment sur ce sujet. Je pense que ce qui va faire... l'envie de rejoindre une entreprise comme Safran, c'est la participation à un projet et un projet de société. Aujourd'hui, dans l'aéronautique, on voit bien qu'on est dans une période de transformation majeure, que la révolution qui est liée à ces enjeux climatiques est essentielle. Et finalement, il y a parfois, on vous fait un procès, à mon avis, gratuit, parfois. Mais bon, c'est intéressant parce qu'un candidat, vous voyez, un candidat, j'ai simplement envie de dire, mais il y a un choix qui est de faire ce procès. Où il y a un autre choix qui est de venir contribuer à faire l'aéronautique de demain. Construire le moteur à hydrogène, travailler sur l'hybridation, les biofuels. Ce sur quoi vous travaillez déjà depuis des années, il faut le dire, il faut le rappeler, mais bien sûr. Cette société qui se construit, eh bien, ça constitue un projet. Et c'est vraiment ça, finalement, je pense, qui est au cœur de ce qu'on va proposer. Après, le télétravail, eh bien, c'est un standard de travail. On travaille comme ça aujourd'hui.
pour moi, ce n'est pas un élément en soi de différenciation. C'est un élément qu'on doit simplement bien mettre en œuvre pour que eh bien, les règles de base qui sont celles de l'entreprise, c'est-à-dire à la fois du respect et du bien-être au travail, eh bien, soient mises en place. Nelly Magret, on va donner la parole après pour terminer à Sarah Nelson sur ce que vous faites concrètement chez Citrix, ce que vous apportez justement. Nelly Magret, justement, est-ce que je disais, les rapports ont changé, l'échelle de valeur a changé ou pas, ou alors finalement c'est une adaptation, une transformation où chacun va y trouver son compte? C'est une adaptation. Alors, et n'oubliez pas que le télétravail, de toute façon, il arrivait de manière progressive en France, il était beaucoup plus développé dans les pays nordiques, donc de toute façon, il arrivait, il est incontournable. Dès lors que le digital, effectivement, est au rendez-vous, il ne pouvait qu'être présent. Et donc, effectivement, il faut adapter les choses à cette nouveauté, et ce n'est qu'un élément parmi d'autres, mais de toute façon, effectivement, c'est un élément qui peut vraiment contribuer très, très favorablement au bien-être des uns et des autres. Mais je vais me répéter toujours en disant, dès lors qu'il est choisi. Il est choisi par tous. Tout juste. Que fait Citrix concrètement donc, sur ce terrain, Sarah Nelson, vous qui êtes membre du COMEX, hein. Sur le terrain du bien-être? Oui, du bien-être, exactement, bien sûr. Comment vous accompagnez toutes ces tendances sociétales également, on va parler tout de suite avec Stéphane Dubois, justement, sur tout ce qui est transformation digitale, transformation environnementale également. Alors, là encore, sans prétention aucune, hein, on l'a parlé, on apprend en marchant, hein, ouais. Comme tout le monde. Ce que nous faisons, c'est que je pense que chez Citrix, nous avons une culture qui est assez forte. Hein, ce n'est pas juste une liste de valeurs accrochées dans les salles de réunion. Nous avançons de façon très, très progressiste et assez agressive sur ce projet de travail hybride. Donc, contrairement à beaucoup de sociétés qui ont décidé que c'était une bonne raison donc, pour fermer les bureaux et passer sur le télétravail à temps plein, nous allons garder nos bureaux et en faire un espace de créativité, d'innovation et de collaboration. Ils vont changer physiquement, d'ailleurs, l'allure des bureaux Très certainement. Ouais. Très certainement. Dans quel sens? Alors, c'est encore un projet en cours. Je n'ai pas encore vu les plans. Mais je pense que ça va être vraiment des espaces de collaboration. On n'aura certainement pas de bureaux individuels. Peut-être que les open space vont devenir un peu repensés. Je pense que nous misons vraiment pas tellement sur un attrait de télétravail, mais plutôt de flexibilité, où nous pouvons accueillir tout type de profils. Et plus concrètement, à court terme, nous travaillons sur différentes facettes de bien-être, y compris, par exemple, nous formons des volontaires en interne qui vont être des espèces de secouristes de bien-être et de santé mentale. Ah, qu'est-ce que c'est alors ? Alors, ce sont des employés qui sont tout comme des premiers secours pour la santé physique. Des secouristes, en fait, de santé psychique. Voilà, c'est un pilote qui a été fait en Angleterre et que nous allons déployer partout en Europe. En partant du principe, en fait, que parfois, on est plus à l'aise à parler avec un collaborateur qu'au RH ou à son manager. Bien sûr. Voilà. Nous allons mettre en place, par exemple, des plages horaires, un peu ce que disait Stéphane, de pas de réunion, pour que les personnes... Parce qu'il y a une espèce de floutage, en fait, entre la vie personnelle, la vie professionnelle, où, en fait, on enchaîne des réunions. Tout ça n'est pas simple, voilà. Bien sûr. Donc, garantir des espaces de respiration, par exemple. Ce genre de choses. Bon, c'est très bien. Premier bilan, d'ailleurs, de ces secouristes internes, secouristes psychiques au Royaume-Uni, qu'est-ce que ça a donné ? Le pilote a été extrêmement réussi, très apprécié par les employés, et c'est pour ça que nous le déployons plus largement. Peut-être une bonne idée à suivre. Merci en tout cas d'être venu nous en parler. Donc, vous en prie, avec plaisir. Sarah Nelson, senior directeur Europe, Moyen-Orient, Afrique, donc membre du COMEX de Citrix. Merci à vous, Stéphane Dubois, DRH Group du grand motoriste qui est Safran. Et puis je remercie également Nelly Magret, coach, consultante en RH partenaire de la société Adoc et puis co-auteur de
télétravail de crise au télétravail durable. Merci à tous les trois, c'est pas fini, hein. On va se retrouver dans un instant. On l'a vu d'ailleurs, cette quête de bien-être au travail qui peut devenir peut-être un enjeu de captation, d'attractivité et donc eh bien, de rétention même des talents. Alors, dès lors, les entreprises de tout secteur doivent s'adapter à un monde du travail qui change drastiquement. Alors, quel choix de technologie, selon quels critères? On va continuer la discussion, continuer de réagir, évidemment, hashtag TransfoDigital21. On retrouve les membres de Citrix dans un instant, à tout de suite pour cette matinée digitale.
la transformation digitale, vecteur de croissance et de bien-être au travail. Dernière ligne droite pour cette matinée 100% digitale organisée par Citrix. On est toujours avec Paul Bailleul, directeur grand compte Citrix France. Et j'accueille Ludovic Donati, bonjour. Bonjour. Ludovic Donati, directeur de transformation numérique, groupe de la société Eramet. Alors, je vais commencer avec vous, Ludovic Donati, parce que Eramet, c'est une société minière qui est présente dans le monde entier, bien entendu. Comment on apporte du bien-être au travail, qu'on soit eh bien, en Guinée, en Norvège, dans les mines de nickel, donc en Nouvelle-Calédonie, dans des zones qui sont totalement hétéroclites? Oui, c'est exactement la question qu'on s'est posée pour notre transformation digitale. Qu'est-ce que ça veut dire faire du digital quand on est sur une île au milieu du Pacifique? On n'est pas en Guinée, on est au Gabon, en plein cœur de la forêt équatoriale, ou en Norvège. Et qu'est-ce que ça veut dire pour des fonctions industrielles comme les nôtres? Je vais vous prendre un exemple. En Nouvelle-Calédonie, donc on extrait du nickel, du minerai, et ensuite on le fond pour en faire du ferro-nickel. Donc vous imaginez des grands immeubles de 3 étages avec de la lave en fusion pour récupérer du ferro-nickel. Comment est-ce qu'on fait du coup pour faire du digital avec ça? En fait, il se trouve qu'on a des fours qui sont bardés de capteurs. Et on s'est dit, avec ces capteurs, ces données, l'intelligence artificielle qu'il y a derrière, on doit pouvoir permettre aux métallurgistes de se recentrer sur leur cœur de métier. C'est-à-dire, j'ai du traitement de la donnée grâce à des algorithmes qui permettent aux métallurgistes de prendre les meilleures décisions, voire d'anticiper et de faire des prédictions, là où auparavant, ils étaient en train de chercher des données dans des fichiers Excel, dans différents autres fichiers, et où ils passaient énormément de temps à collecter de la donnée, donc à pas faire leur métier, mais voilà, de faire vraiment du data mining, si j'ose dire, et au final, très peu de temps pour leur métier. Un bien-être au travail aujourd'hui, c'est pour eux se concentrer sur leur propre métier. Comment est-ce que je produis le mieux possible le ferro-nickel en minimisant l'énergie de mes fours plutôt que de chercher de la donnée? Parce que vous avez raison, ce sont des vieux métiers. Un métallurgiste, un géologue, quelque part. Comment on apporte du numérique? Par exemple, un topographe, son job, il a bougé, il a changé grâce au numérique? Oui, tout à fait. Sur les mines, quand on fait de la topographie, oui, de manière traditionnelle, on va mettre beaucoup de temps pour arriver à couvrir toute la mine. Oui. On peut y mettre des années. Là, grâce à la technologie, des drones par exemple, on fait voler ces drones au-dessus de la mine et on arrive à couvrir 100 fois plus de surface annuellement qu'auparavant. Oui. Donc ça permet de récupérer toute cette donnée, de visualiser la topographie de la mine en temps réel, d'avoir accès à des informations pour lesquelles on mettait beaucoup de temps à avoir. Prenons un exemple en Nouvelle-Calédonie encore. Il vient d'avoir un cyclone. Oui. Là, on fait voler nos drones. Donc, on a une visibilité exacte sur est-ce qu'il y a eu des dégâts environnementaux, est-ce que tout va bien ou pas. Et ça nous permet d'agir directement sur les zones sur lesquelles il faut aller, alors qu'auparavant, on allait prendre une voiture et on mettait 3 ou 4 jours pour faire le tour de la mine. Donc, là encore, plus que du bien-être au travail, on est sur la capacité à pouvoir agir, voire presque prédire dans certains métiers. Et donc, on est de plus en plus efficace et on se concentre sur son cœur de métier. Ah, c'est intéressant, Ludovic Donati, parce que vous êtes directeur transformation numérique donc du groupe Eramet, mais le rôle du DRH dans ce cadre-là, comment est-ce qu'il accompagne, par exemple, le fait que le topographe se transforme quelque part en pilote de drone? Comment est-ce qu'il accompagne le métallurgiste qui doit gérer ces tours de 3 étages donc, de transformation du nickel en Nouvelle-Calédonie? On l'attend où, ce DRH? On l'attend sur la transformation. C'est-à-dire que dans transformation digitale, pour moi, le mot principal reste la transformation grâce au digital. Il ne faut pas prendre cette transformation par la technologie, mais se demander comment est-ce que la technologie peut permettre de transformer comment est-ce qu'on arrive à transformer nos métiers grâce à des leviers technologiques. Et donc, le DRH nous accompagne une fois qu'on a fait nos tests pour voir finalement comment est-ce qu'on arrive à augmenter ces métiers. Sur la topographie, aujourd'hui, devenir pilote de drone est essentiel. Donc, il faut qu'on rajoute dans les fiches de poste de nos topographes la certification pilote de drone. Sur les métallurgistes, l'utilisation où la connaissance en fait algorithmique devient essentielle. On va pas en faire des data scientists chevronnés, mais en tout cas apporter un complément en fait de connaissances en data science certifiée qui est dans les fiches de poste peut être aussi essentiel. Donc travailler avec la DRH sur l'évolution des métiers, voire la transformation de certains métiers, et puis bien sûr aussi comment est-ce qu'on intègre dans notre entreprise les nouveaux métiers du numérique qui n'existaient pas il y a quelques années, data ingénieur, data scientist, développeur d'applications, etc. Paul Bailleul, ce que vient de dire Ludovic Donati, c'est formidable, quelque part, toute cette transformation, y compris donc au niveau des DRH.
pour les collaborateurs, c'est vrai, le bien-être au travail, et on en parle ce matin grâce à vous, la transformation digitale, vecteur de bien-être au travail, de vecteur de croissance également. Et c'est vrai que grâce aux technologies, bah, l'entreprise fait un bond en avant, c'est-à-dire que le collaborateur se débarrasse de tâches un petit peu allez, rébarbatives, etc., qui lui prennent beaucoup de temps, en effet, la topographie, etc. Voilà, c'est ça la transformation digitale. C'est exactement ça, et Ludovic et vous avez tout dit. Hein. Ah bon, ça va alors. Quand on parle de bien-être, j'ai entendu le mot efficacité, ouais, efficace, ouais. Et c'est là tout l'enjeu. Parce qu'aujourd'hui, de toute façon, la matière première quand même, hein, de beaucoup de travail, qu'on soit plutôt sur des métiers tertiaires ou sur des métiers, et là je l'entends, sur des métiers de production, c'est la donnée. Hein, donc il faut la collecter. Et aujourd'hui, ce n'est plus un problème de collecter les données. Voilà, le stockage, ça ne coûte plus grand-chose. On collecte les données. Voilà. Le problème, c'est l'exploitation de cette donnée. C'est l'analyse, voilà, l'exploitation de cette donnée. Et tous les systèmes aujourd'hui qui sont mis en œuvre, et j'ai entendu d'intelligence artificielle, on peut retrouver les mêmes choses finalement sur des métiers tertiaires qui vont faire que, à la fin de la journée, enfin en tout cas dans le courant de la journée, le collaborateur va s'appliquer à analyser les résultats et non pas à les collecter et à regarder comment il peut les triturer de droite et de gauche pour en tirer la substantifique moelle. C'est ça, être productif, c'est faire beaucoup de choses finalement en peu de temps. Racontez-nous, tiens, parce qu'on a eu l'exemple très parlant et très bien illustré par Ludovic Donati chez Eramet, de ce que vous avez apporté par exemple chez Alstom, l'un de vos partenaires. Oui, alors chez Alstom, on a fait d'ailleurs on a fait un événement, il est revenu sur le sujet très, très récemment. Donc Alstom nous a apporté son témoignage sur comment ils ont vécu ce confinement brutal, hein, du jour au lendemain, il y a un an de ça. Alors, bien entendu, il y avait toutes ces fonctions support, de finance, etc., parce qu'ils avaient des clôtures à faire, et ils ont été capables d'amener ces gens-là à travailler à distance. Mais il y a, notamment, il avait mis l'accent, et c'était assez intéressant, sur une fonction chez eux qui est particulière, qui est la fonction des ingénieurs en R&D. Alors, c'est particulier. En quoi c'est particulier? C'est que ce sont des gens qui manipulent des données extrêmement volumineuses et qui ont besoin d'une puissance de calcul extrêmement forte, voilà, avec des besoins graphiques gigantesques. Voilà, alors, juste pour rappeler, hein, le métier d'Alstom, notamment, c'est de fabriquer, de concevoir, hein, des éléments ferroviaires. Et une locomotive, je peux vous assurer que c'est super compliqué à concevoir. Et finalement, ils se sont retrouvés du jour au lendemain aussi en confinement, alors avec 2000 ingénieurs. Hein, alors la majorité sont en France, 1200 en France, sur différentes localités, et puis d'autres, le restant en Inde. Et en fait, ces gens-là sont partis de chez eux, et ils ne sont pas forcément partis avec leur poste de travail ultra boosté pour qu'ils puissent accomplir leurs tâches. Et grâce à la technologie, justement, alors la technologie de cloud aussi, hein, qui a permis justement de transférer des données, de les mettre à disposition très, très rapidement, grâce aussi aux technologies de Citrix, hein, qui permettent d'optimiser les flux et donc finalement de ne pas être contraint par des temps de réponse ou des temps de traitement trop, trop longs, ce qui est essentiel, ben, ça a permis en une semaine, ils ont migré 1200 ingénieurs en France en télétravail et en leur permettant de travailler, de retravailler à distance. Et c'était essentiel pour eux parce que Alstom a ceci de particulier, que ce ne sont pas des gens qui vendent des X milliers de contrats par an. Hein. Ce sont en général de très très gros contrats. Voilà. Voilà. On voit un métro, puis dix ans après, éventuellement, un nouvel appel d'offres. Exactement. La semaine après, on vend évidemment un réseau de train. Enfin voilà, donc bien sûr. Voilà, très gros contrat. Et donc finalement, chaque jour perdu, je dirais, en délai, ben pour eux, c'est de la marge. Ludovic Donati, c'est facile à mettre en place cette transformation digitale? Ça repose sur qui? Il y a des écueils à éviter? Est-ce qu'il faut être absolument techno-push à tout prix? Alors non, il ne faut pas être techno-push, il faut pouvoir parler au métier et identifier leurs problématiques. Et donc nous, en fait, dans notre manière de faire, on a mis en place un modèle opératoire où sur les premières étapes, on va vraiment faire du test et où on va montrer l'intérêt en fait, de la réponse technologique à un besoin métier qui est essentiel et qu'on a défini ensemble en un temps limité, en s'assurant qu'on a bien un chef de projet qui est porteur et qui y croit, pour pouvoir faire la preuve de valeur. Et une fois que la preuve de valeur est faite, là, on déploie au maximum sur tous les sites.
Paul Bailleul, faut penser comme ça, au-delà de la technologie, bien sûr. Ah, bien entendu, on ne va pas faire de la technologie pour faire de la technologie, bien entendu. Cette technologie, ce qui est important, c'est de l'intégrer et surtout de l'intégrer à propos. Voilà. C'est ça. Et c'est ça qui est essentiel. Et quels sont les critères à prendre en compte? C'est quoi? C'est l'expérience collaborateur, la flexibilité, les questions de sécurité aussi. Et j'y reviens, on l'a légèrement abordé tout à l'heure en préambule avec vous, Paul Bailleul, mais c'est vrai que dans une entreprise, les systèmes informatiques sont vaguement, théoriquement en tout cas, surveillés, sécurisés quelque part. Quand on est ailleurs, à la maison, c'est pas toujours le cas. Ça pose un réel problème. Bien sûr que ça pose un réel problème. Enfin, il y a des tas de questions que ça soulève derrière. On parlait d'autonomie aussi. Oui, alors, l'autonomie, c'est aussi la responsabilité. Et finalement, quand le collaborateur vient dans l'entreprise, la sécurité, c'est du domaine de l'entreprise, la responsabilité de l'entreprise. Quand il travaille de chez lui, c'est quand même un peu de sa responsabilité. Donc on lui met une responsabilité supplémentaire sur le dos, quelque part. Donc en fait, aujourd'hui, si on fait le lien avec le bien-être, il y a quatre critères. J'ai besoin de quoi? J'ai besoin que mon système d'information soit disponible, voilà, quand j'en ai envie de travailler, adapté à ce que je veux faire. Performant, il ne s'agit pas que ça traîne quand j'ai besoin d'être efficace, on le disait tout à l'heure. Et puis le dernier, et je le cite en dernier, mais c'est sécurisé. Il faut absolument que j'ai confiance dans ce système que j'utilise. Ludovic Donati, donc, les écueils à éviter? Oui, alors bien sûr, il y a la cybersécurité, parce que si jamais on prend le contrôle de mon four métallurgique et qu'il peut aller jusqu'à l'explosion, c'est quand même extrêmement dangereux. Rassure. Ensuite, sur les autres critères, donc il y a pour les entreprises industrielles quand même le ROI, donc le retour sur investissement. Et c'est pour ça qu'en fait, on le fait en différentes étapes, faire la preuve de concept et la preuve de valeur d'abord. Ça prend combien de temps à mettre tout ça en place? Ça peut aller très vite grâce au digital. C'est une des valeurs fondamentales, enfin, c'est très fort avec le digital, c'est qu'on peut le faire très vite et on a des retours sur investissement qui peuvent être très rapide, si tant est qu'on a les bonnes personnes qui se sont impliquées dès le départ dans le projet et qui y croient. Juste un mot, parce qu'on va bientôt se quitter, la question de l'autonomisation des équipes. Qu'est-ce que ça induit comme avantage et aussi inconvénient, le fait que depuis un an, et puis grâce à ce télétravail, etc., bon, les équipes sont de plus en plus autonomes. Qu'est-ce que vous nous dites, Ludovic Donati? Alors, il y a du bien et du moins bien. Effectivement, aujourd'hui, alors, on est même plus qu'en télétravail. Nous, on est sur des sites qui sont répartis dans le monde entier. Donc, on avait déjà la possibilité de collaborer ensemble, mais là, on a vraiment passé un cap et on voyage quasiment plus et on fait tout à distance. Donc, ça nous permet d'être assez efficace et rapide sur certains sujets. En revanche, on perd aussi un certain contact humain et pour les personnes, par exemple, qui sont au siège, la notion du terrain. Donc, c'est important d'arriver à trouver un bon équilibre entre le tout digital et la collaboration complète à distance, et puis aussi les relations humaines et la capacité à travailler ensemble sur le terrain. Qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous dites chez Citrix, justement, pour faire face à cette autonomisation des équipes qui devient maintenant aussi une réalité et qui va l'être de plus en plus, bien sûr, grâce au télétravail? Oui, alors cette autonomisation, elle est absolument nécessaire aujourd'hui, parce qu'effectivement, il n'y a plus forcément la présence d'un encadrement la présence, je dirais, physique, d'un encadrement auprès des collaborateurs. Et aujourd'hui, moi, ce que je leur demande, c'est de lever le doigt. C'est-à-dire que quand ils rencontrent un problème, quand il y a une question, ne pas rester seul, isolé, et à chercher la réponse si on peut la trouver ailleurs, et ne pas hésiter à lever le doigt. Et ça, dans un open space, entre guillemets, c'est facile, vous levez la tête, vous regardez qui est là, vous y allez. Quand vous êtes dans votre bureau, dans votre chambre, derrière votre micro, c'est plus compliqué. En tout cas, cette transformation digitale dont on parle maintenant depuis une heure et demie, juste un mot, les entreprises, elles n'avancent pas toutes au même rythme. On a donné la parole à des grands groupes, Eramet, précédemment Safran. Il y a les PME également. Elles vont y venir en même temps, peut-être, Paul Bailleul? Elles vont y venir parce que, finalement, tout ça, c'est une tendance. Donc, en fait, les grands groupes vont imprimer le rythme. Voilà. Et finalement, ces grands groupes, ils font vivre et ils travaillent avec beaucoup de sous-traitants. On parle en général vraiment d'un écosystème. Et c'est tout l'écosystème qui va devoir effectivement s'adapter et suivre. Voilà. Bon, c'est le moment de la conclusion avec vous, Paul Bailleul. Matinée formidable.
très instructive. Ouais. On a donné la parole justement à des grosses boîtes pour leur retour d'expérience, justement ce qu'ils avaient mis sur le terrain, que ce soit au Gabon, en Nouvelle-Calédonie ou ailleurs, hein, pour vous notamment Eramet, mais on était avant avec le DRH du groupe Safran. Votre conclusion, Paul Bailleul, pour terminer donc cette matinée autour de la transformation digitale, vecteur de croissance et de bien-être au travail. Fabrice, je ne sais pas si ça se fait, mais moi j'ai envie de conclure par une question. Ah. Tout à l'heure, avec M. Carsanti... Oui, Gérald Carsanti, le patron de SAP, qui a introduit cette... question, c'était la question de l'après. Oui. Hein. Bon, cette crise, on est encore dedans, oui. Mais finalement, à un moment donné, on va s'en sortir, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, j'en sais rien encore, les vaccins, etc., mais on va s'en sortir. Et là, il y a 2 écoles. Il y a l'école qui dit que ça va boomer derrière, et puis il y a l'école qui dit que ça va être difficile, etc. Mais il y a une chose sur laquelle les entreprises vont devoir compter, c'est le capital humain. Ouais. Voilà. C'est cet asset qui est absolument important et dont il faut prendre soin. Donc, il était assez optimiste tout à l'heure, Gérald Carsanti, sur la capacité justement de l'être humain, depuis toujours, de collaborer quelque part et d'être assez résilient. Mais bien sûr. Mais où effectivement, donc ça repart très très fort, et là, on va avoir besoin de tout le monde complètement engagé. Ça va être bien. Hein, on a parlé d'engagement, et cet engagement, finalement, il est aussi tributaire du bien-être. Ou alors, ça va être très difficile, et il va falloir vraiment mettre les bouchées doubles. Et là aussi, il faudra de l'engagement. Bon, c'était bien. Merci en tout cas d'avoir organisé cette matinée. Paul Bailleul, directeur grand compte chez Citrix France. Merci à vous d'être venu. Merci. Ludovic Donati, directeur transformation numérique groupe de la société Eramet. Voilà, c'est terminé. Merci à vous de nous avoir suivis. En tout cas, vous pourrez revoir évidemment à l'envi cette matinée spéciale donc autour de la transformation digitale, vecteur de croissance et de bien-être au travail que Citrix organisait ici avec Les Échos, Le Parisien, événement. Hashtag Transfo Digital 21. Bonne journée à toutes et à tous. Merci beaucoup.